Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Miss Queen. Vous savez quoi, nous allons tester le jeu Miga World. C'est la première fois que je le teste. Donc, allons découvrir de quoi il s'agit. Parce que oui, vous étiez très nombreux à me demander une vidéo sur Miga World. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les nouveautés. Et nous, on se retrouve ici. Tout d'abord, la première chose qu'on fait avec les jeux de RP sur mobile, c'est de créer des personnages. Vous savez quoi? Je vais commencer... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons... C'est quoi? C'est des modèles de personnages? Et je dois choisir parmi ces personnages, c'est ça? Je vais cliquer « Cette jeune fille ». Après, je dois le modifier, c'est ça? J'ai cliqué... Ok. D'accord, c'est ça qu'il faut faire. Ouh. Alors, je vais choisir cette couleur de peau. Ensuite, les sourcils. On va prendre quoi? Nous allons prendre... Oh, mais il n'y a pas des sourcils normales. Ok, nous avons ça, les yeux. Ça, c'est mignon. Non. Ça, ça a l'air pas mal. Ah, oh, vous avez ça. Ok, le nez, par contre, non. Ça, c'est bon. Ensuite... Un sourire. Oh, il n'y a pas de sourire. Ok. Du coup, je vais choisir un truc simple. Les... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui me dit? Ah, ok, d'accord. Ça, c'est les rides. Non, ça va aller. Je veux pas de rides. Ensuite, oh, vous pouvez mettre de la couleur. Mais là aussi, on va rester comme ça. Les cheveux. Avons-nous des cheveux? D'abord, il faut choisir la couleur noire. Et regardons une coiffure qui ressemble au skin de Miss. Vous avez ça avec ça. Ouh. Vous avez une queue de cheval. J'hésite les amis. Je crois que ça c'est bon. Allez, on va rester comme Miss Queen. Les vêtements. Vous avez quoi? Vous avez ça comme haut. Cool. Oh, ça, ça ressemble un petit peu à Toka. Vous avez ça comme haut. Oh, celui-là, il est beau. Vous avez quoi d'autre? On va essayer de faire le skin comme sur Miss Queen. Donc... Ça, c'est pas mal. Ok, on va prendre ça avec ça. Un jean bleu. Ça, c'est comment? Ok, c'est pas mal. Les chaussures, par contre, je les aime pas. Celle-ci, oui. On va rester sur ça. Ok, j'ai fait mon skin. Ça fait trop bizarre, c'est la première fois que je joue à ce jeu. Alors, si je ne porte rien, avons-nous une couronne? Non, pas du tout. Donc, on va rester comme ça. Vous pouvez porter une barrette si vous le souhaitez, mais là aussi, non, ça va aller. Et de ce côté-là, non plus. Oh, c'est mignon, mais non, on va rester comme ça. Cool, c'est mignon. Moi, je vais prendre ça et c'est bon, mon personnage est prêt. Ensuite, oh, il est là. Ok, je viens de comprendre maintenant. Vous savez quoi, les amis, on va aussi faire les jumelles. Let's go. On va prendre ça. On va commencer par rose. Attendez, je peux choisir la taille? Oh non, je peux pas choisir la taille, attendez. Il faut que je choisisse des jeunes filles. Oh non, on peut pas devenir un bébé. Attendez, par exemple, cette personne-là. Je peux choisir la taille ou pas? Non. Oh my god, ok. Bon ben, vous savez quoi, on va retourner là-bas. On va choisir les jumelles Rose et Mia. Ça veut dire sur Omega, on peut pas créer des bébés comme... On a l'habitude de créer sur d'autres jeux de RP. Donc, les amis, c'est parti. On va faire un petit peu comme ça. Les sourcils, j'aime bien lorsque c'est un petit peu grand. Ok, là, c'est vraiment très grand par contre. Hein. On va prendre ça. Les yeux, ceci, c'est bon. Le nez, celui-là. Le sourire, celui-ci. Ensuite, c'est bon. On passe à la prochaine étape. Il s'agit en fait des cheveux. Alors, les cheveux de rose. Déjà, on change la couleur. C'est soit ça, soit ça. Les cheveux, celles-ci, elles m'ont l'air pas mal. Cette coiffure ressemble à rose. Ou bien celle-ci. Ok, on va prendre ça. Ensuite, les tenues. On passe direct aux tenues. Mais vous avez que ça comme tenue? Oh, c'est triste. Ok. Franchement, c'est triste. Je m'attendais à plus de tenues. Ne me dites pas qu'il faut acheter un pack. Oh my god. Ok. Comme... oh, super. Il y a une casquette rose. Oh, c'était mieux la casquette. Elle est passée où? Casquette rose. Et bon, ça y est. Nous avons fait le skin de... Attendez, il y a les chaussures aussi. Rose. Ils sont où les chaussures? Ne me dites pas que... J'ai pas le droit aux chaussures. Je crois que oui.
J'ai pas le droit de choisir des chaussures pour Rose, mais c'est triste. Bon, c'est pas grave, il y a du rose sur ses chaussures. Ensuite, on va créer le personnage de Mia. Comment je crée le personnage de Mia? Attendez, il faut, je crois, acheter... Oh, oui, il faut acheter un pack pour avoir plus de skins et des cheveux. Ok. Bon, bah du coup, il y a juste Rose. Ok les amis, c'est triste, j'ai pas trouvé de skin pour Mia. Bon, il y a moi et il y a Rose. On va découvrir Mega World ensemble. Ok, il y a des packs à acheter, je crois. J'ai cliqué sur un pack. Oh, oui, il faut acheter tous ces packs. Est-ce que nous avons quelque chose gratuit? Parce que vous étiez très nombreux à me proposer de jouer à ce jeu. Donc, j'ai envie de découvrir si on peut avoir une maison gratuite. Et ici, nous avons une pelle, ce qui veut dire qu'on peut construire une maison. C'est où qu'on construit? Ouh là là, on va où? Ok, c'est ici. D'accord. Il n'y a que deux maisons, c'est ça? Ok, tous les autres sont payantes parce qu'elles sont grises et il n'y a qu'une seule qui est disponible. Hop! Ouh! Alors, let's go, on va découvrir cette maison. C'est une maison que tu peux modifier aussi. Oui! Regardez-moi ça, elle est customisable. Ok, vous avez des lits, une cuisine. Ok, c'est comme sur Avatar et Toka. Intéressant. La cuisine, je crois que je vais la créer de quel côté? Ici, c'est la chambre. Bah, ici, en fait, on n'a pas le choix. Ça, par contre, ça bouge. Ça vient peut-être de ce côté. La plante, ici, hop. On va un petit peu créer cette pièce. Dites-moi en commentaire si vous avez joué à Mega World. Parce que je le sais, vous êtes très nombreux à me dire de jouer à ce jeu. Donc, me voici sur Mega. J'espère que ça vous plaît. Ok, nous avons ça aussi. Je ne sais pas où est-ce que je vais poser. Il n'y a pas beaucoup de plans de travail et tout ça. Et dans le frigo, vous avez de la nourriture. Ok, on va même essayer de voir. Comment tu peux faire de la nourriture? On va sortir un peu de nourriture. Hop, de la viande, les pâtes, c'est drôle. Vous avez le brioche. On va essayer de faire comme sur Avatar, comme on est habitué. Ok, mais attendez, il n'y a pas de table et tout. Ok, ici vous avez des rangements, des tapis, enfin. Il y a un tapis, mais hop, vous avez des rideaux aussi. Des rideaux à placer de ce côté, peut-être celui-là. Il serait pas mal. Attention, hop. Ensuite, je place un autre rideau ici. Voilà. Les lits, c'est ça. Les placards, ok. La salle de bain, vous avez ça. C'est déjà placé. Ce serait mieux comme ça, non? Hop. Sinon, ça fait trop bizarre. Ensuite, vous posez ça aussi. Un miroir, c'est bon. Les toilettes aussi, c'est bon. Papier toilette, hop, on le pose ici. Et là, c'est tout ce qui concerne les produits d'entretien. Intéressant. Ok. Ensuite, ici, c'est bon, on a fait le tour. Ouh! Ah, nous avons aussi des oreillers. Attention, tu les places ici. Hop. Tu peux aussi placer ici quelque chose. Par exemple, de ce côté-là, j'avais vu quelque chose pour les lits. Voilà. Un peu de rangement. Ce serait pas mal. Vous avez aussi des cartons. Ok. Voilà, ça c'est mignon, ça aussi. Hop, vous posez ça ici. Oh, ok, tu peux poser ici. Des cartons, voilà. Hop, ah, je peux pas le poser dessus. Et ici, je peux, ok. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez ça aussi, si vous le souhaitez, dans votre pièce, dans votre chambre. Ensuite, la salle de bain, c'est bon, on a fait le tour. Les canapés aussi. Oh, vous avez même une télé. Comment on fait? Il nous faut... Un meuble télé. Hop, il est là. La table est ici. Ensuite, la télé, on peut la poser ici. Vous avez un ordi portable. Vous avez... Oh, c'est mignon ça, on va le poser ici. Ensuite, vous pouvez placer une table ici. Comme quoi, c'est votre table à manger. Là, je suis en train de découvrir vraiment tout sur Miga, tout ce qu'il y a comme fourniture. Hop, vous placez des chaises. Ouh, vous aviez celles-ci aussi, elles étaient pas mal. Mais nous, on va prendre celle-là, tout en blanche. Et ensuite, on peut placer ça ici. Voilà, nos aliments. On ne les laisse pas par terre. Ouh, les pâtes, le poulet rôti. Et voilà. Ok, on a fait vraiment le tour. Ok, j'ai besoin de ça pour cuisiner. Oui, on a vraiment fait le tour. On va sortir peut-être des œufs.
Une pizza, non. Des raisins, non. Le reste, on laisse. Et je vais sortir mon personnage. Ok, et pour le sortir, vous faites ça. Je suis en compagnie de Rose. Je ne peux pas créer un autre bébé parce que bah, il n'y en a pas d'autres. Il faut peut-être acheter le pack, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire pourquoi j'ai juste réussi à créer Rose. La pauvre Rose, elle est tellement triste. Elle n'a pas Mia à côté d'elle, donc elle va regarder la télé. Et ensuite, ouh, ça c'est comme Toka. Ça y ressemble. J'aime bien. Et de ce côté-là, on va essayer de cuisiner. Attendez, est-ce que nous avions des assiettes? Parce que lorsque je vais cuisiner, bien sûr, j'aurai besoin de quelques assiettes. Ok, une assiette ici, une verte. Cool! Bon, bah c'est parti, on va cuisiner. Je prends ça, ça y est, le four est allumé. Et on va essayer de poser cette viande. Avec ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec des spaghettis? Ouh! On peut faire quelque chose? Non. Donc ça, c'est prêt. On va essayer de voir de ce côté si on peut faire quelque chose avec des spaghettis. Hop! Non, la viande est en train de se refroidir. Ah, peut-être la tomate. On peut faire quelque chose avec la tomate et les spaghettis, les pâtes, j'en sais rien. Non, mais rien ne fonctionne. Les œufs, non plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout essayé et je comprends pas. Où est le problème? Regardez-moi ça. Il faut attendre comment vous cuisinez vos plats. Bon, je vais donner ça à Rose pour lui dire que ça y est, ça c'est prêt. Merci, maman. Elle le mange. Ah, ok. Moi aussi, je vais le manger du coup. Trop bon. Je vais tout manger finalement. Il faut pas gâcher la nourriture. Ok. Et l'œuf, j'ai pas trop compris. Je le laisse comme ça. Normalement, je le mange et je l'ai mangé. Voilà. Vous savez quoi? Avec Rose, on va visiter l'extérieur. On va voir ce qu'il y a à l'extérieur du monde de Miga. Ok, du coup ça c'était notre maison, on va avancer. Nous avons ici les plats qui sont déjà cuisinés. C'est un restaurant? Oh! Ok, vous avez ici des plats qui sont déjà cuisinés. Attendez, on va ouvrir. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait ici le pigeon? Je comprends pas. Ah, ici je peux cliquer. Oh! Pourquoi vous avez des pigeons? C'est triste! Mais il n'y a que des pigeons, c'est ça? Mais moi je croyais que c'était quelque chose à manger. Ah, ok, en fait c'est des objets de déco. Tu peux les avoir d'ici. Alors ensuite, tout est gris. C'est dommage, tout est payant. À part ce truc-là. Non, ça aussi c'est payant. Je parle de... C'est peut-être un parc d'attractions. Regarde. Ah non, c'est en cours de construction. Oh my god, c'est triste. Franchement, tout est payant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ok, je me retrouve ici. Au moins, c'est quoi? C'est l'école. Ah, c'est une rue. Ah, vous avez des beaux vêtements. Attendez, attendez, attendez. Non, mais c'est trop beau. Je porte ça tout de suite, direct. Hop. Elle a des chaussures? Non. Elle a un sac. Ou ce sac-là. Mais Rose aussi, elle veut absolument un sac. Donc, on est toutes... Oh my god, ça y est. On a une tenue pour Rose ou pas? Ah non, c'est pas pour Rose, la pauvre. On va essayer de trouver quelque chose pour toi, Rose, ok? Alors, viens, suis-moi. Alors ici, avons-nous quelque chose pour Rose? C'est fermé. De ce côté-là, ouh, une voiture. Rose, viens vite. Ok, maman, j'arrive. Allez, mets-toi juste à côté de moi et on y va, Rose. Allons-y. Ça, par contre, j'aime bien. Il n'y a ni ça sur Avatar, ni sur Toka. Prendre un véhicule. J'ai hâte de découvrir cette nouveauté dans les deux autres jeux. Oh, c'est beau ici. En même temps, on découvre la ville. Cool. Attends, je vais porter des boucles d'oreilles, même s'il y a les boucles d'oreilles en cœur. Hop. J'ai pas enlevé les autres. Ok, il faut d'abord que... Oh, ok. J'enlève cela. Voilà. Ils étaient pas mal, celui en cœur. Attendez, vous avez celui-là aussi. Ok, une bague. Je peux la porter ou pas? Non, je peux juste la tenir. Mais nous, on veut une bague avec la couronne dessus. Voilà, les Queens. Allez, on prend ton sac. De ce côté-là, on peut y aller? Oui, je suis en train de reculer avec mon véhicule. Oh, vous avez des choses à manger. Et Rose adore les pancakes. C'est trop bon. Et je crois que ça y est. Oui, c'est bon. En tout cas, les amis, il est pas mal ce jeu, mais il y a un petit problème quand même. C'est qu'il y a beaucoup de packs qui sont payants.
Et ça, c'est un petit peu difficile lorsque tu veux découvrir le jeu. Bon, Rose, viens, on va découvrir le Miyakako. Let's go. Oh, c'est un restaurant? Ah, c'est un hôtel? Ok. Bon, bah les amis, vous savez quoi? Nous, on va s'installer à l'hôtel. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Miss Queen. N'oubliez pas de laisser un commentaire et regardez le nombre de commentaires que j'ai reçus sous ma dernière vidéo. Merci à tous! Thank you.